Jöttem az apa! J'arrive plus à écouter la voix de Del Rey. J'arrête pas de me dire qu'il va finir. Il paraît qu'ils vont rapatrier James Earl Ray cette semaine. Ça me fait marrer qu'ils espèrent nous faire croire qu'un seul homme est responsable pour Dr. King. Trop facile. Trop banal. C'est ce qui m'inquiète. Disons que c'est lui qui a tiré sur le Dr. King, lui et personne d'autre. Et si c'était aussi simple que ça d'abattre de grands hommes, comme le Dr. King, le président Kennedy et Malcolm X. Rien ne changera donc dans ce pays. T'en chie, tu suis toute ta sueur. Et un type se pointe et te prend tout, d'un coup, comme ça. Salut, tête de charbon. Tu vas pas t'enflammer, ma grande. Va te faire voir. Ça fait 3 ans. J'arrive toujours pas à l'oublier. C'était ma première fois. 10 mars 65. Ça a été la toute première fois. Attention! Ça, on bouscule une vieille dame. Ce qui me trouve le cul, c'est que les Blancs adorent se taper des négresses. Je pense qu'il est perdu. Les ennuis arrivent. Ils s'envolaient ou quoi? On veut tous que les sudistes dégagent de Del Rey. Dis-moi où est ton boss et je ferai en sorte que ça arrive. Putain, merde. Va à la boutique Vaudou. Le patron se trouve là. Désolé pour ton mal de crâne, frère. Salut.
te dire. C'est peut-être le temps de l'apprendre à lire, tu crois pas? T'es déjà fait tripoter par un millionnaire, chérie? J'aurais dû t'enfuir quand tu le pouvais encore. Il a été blessé, je crois. C'est toi, oh mon Dieu. Mon Dieu. Attaque-le dans son angle mort. Je suis là. Donne-moi ça. J'arrive. C'est l'heure de ta prière. Il va... Faites dégager cet enfoiré. S'il est toujours là. Inutile de chercher là. C'est lui ? Je vais continuer à te chercher, mon garçon. Où il est passé? De pute pour un podcast. Montrera bien un jour.
cadavre quelque part, je le sais. Là, quelque part, je le sais. J'ai jamais aimé de toute façon. Je me demande encore si je dois l'applaudir ou le craindre. Café. Sympa la petite histoire que tu m'as racontée chez les Haïtiens, comme quoi Baka t'avait séquestré. Et on m'a dit que tu étais mort. On est tous les deux pleins de surprises. On dirait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay? Je veux que tu m'aides à tuer Sal Marcano. Je vois. Il y a pas longtemps, c'est moi que tu essayais de tuer. Et là, tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance? Maintenant que Marcano soutient les Dixie, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus. Et à ce moment-là, ils s'épargneront personne en chemin. À moins que je fasse équipe avec toi, c'est bien ça. Je veillerai à ce que tu aies Del Rey. Ensuite, ça dépendra de comment les choses s'enchaînent. Est-ce que tu sais pourquoi Sammy et moi étions en guerre? Parce que tu voulais récupérer la loterie. Je t'en prie. Ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités que tu dois te montrer aussi naïf. Sammy et moi, on se battait parce que les gens de Del Rey méritaient mieux qu'un vieil hypocrite, arrogant, qui leur donnait de la bouffe en conserve quand l'envie lui prenait. Il a toujours été à la botte de Sal Marcano, à faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan. Il fait ce qu'il pouvait. Et pourtant, ce qu'il a fait était loin d'être suffisant.
Une fois que j'aurai Delray, je le gérerai à ma façon. Sans rendre de compte. Tant que tu me laisses accès à tes hommes, à ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Marcano a remplacé Sammy par un type appelé Richie Doucet. Tu le connais? Un Dixie, je suppose. C'est un monstre! Il s'amuse à kidnapper de jeunes noirs et à les emmener dans le bayou. Ensuite, il les affame pendant quelques jours avant de les libérer et il leur dit courir. Parfois, il lâche les chiens, tu sais, comme au bon vieux temps. C'est comme ça qu'il a tué ma sœur. C'est tout ce qu'il me restait. Comment je le trouve? Le coin est encore dangereux pour Richie, alors il bouge beaucoup. Mais ses hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre. Le Perla, c'est comme ça que ça s'appelait. Baptisé en hommage à la femme de Sammy. Je m'en occupe en priorité. Un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré. Tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait. Quand ce sera fait, je m'occuperai de l'église. Fais-moi voir ce que t'as. Jackie, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce camion? Il s'est passé quoi avec le magasin? Le gouvernement m'a fait fermer. Ils veulent pas que les nègres achètent des flingues. Ils croient qu'on va commencer à dégommer les blancs ou je sais pas quoi. Fils de pute. Alors dis-moi tout. Dis-moi si tu veux quelque chose.
Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. Lavo, ça faisait longtemps. Je m'attendais pas à devoir bosser avec les Haïtiens. C'est ça, ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudistes. Et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence. Ça, c'est bien vrai, putain. Cassandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père là. C'est ce connard de Merle Jackson qui est aux commandes. Il a transformé l'établissement en bordel, et il laisse les bons faire ce qu'ils veulent à nos sœurs. Comment je le retrouve? Non, fais pas ça. Pas encore. La plupart de ces enflures de Dixie veulent se la jouer discret. Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul. Si je le mets dans la merde, il devra bien se montrer pour traiter avec moi. Je crois que je sais comment tu peux attirer son attention. Ils gardent des filles au deuxième. Elles peuvent pas sortir. C'est pur sang, ils les appellent. Ils les dopent avec tout un tas de merde. Elles lui rapportent un max. Rentre en douce et sors-les de là. Je te tiens au courant dès que c'est fait. Ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Sammy et Elise. Ils ont toujours été réglo avec moi. Monsieur Lavo m'avait prévenu que vous viendriez. Les filles sont à l'étage, mais attention, les hommes de Merle sont partout. Merci pour le tuyau. Sortez de là! Fais pas ta timide! On arrive, oui, je l'avais tout dit. Faites votre boulot, les gars. Faut se mettre à couvert. Qui va pas comprendre ce qui... Faut qu'on s'en aille. Foutez le camp. Faut qu'ils en mourir. Bordel. Je dois lui mettre la main dessus. Je vais me terrer dans un coin. Il était là, il y a pas une minute. Tu peux trouver. C'est... Mon Dieu, ils allaient... En sortant d'ici, va trouver Cassandra au cœur transpercé. Elle t'aidera. Bon,
c'est moi. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique le cœur transpercé. Merci. Beaucoup. Adieu. Tu peux aller derrière lui. Tu l'as tué. Tu devrais tous les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. Sors de là. Tout de suite. Vous inquiétez pas, les gars. Je suis là. Hey mec, du calme. Faut vraiment que tu la joues moins bourrin. Qu'est-ce que tu veux que j'y... Ouais. Des gommes... Tirez sur quelqu'un. J'ai un petit quelque chose pour toi. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Cette Cassandra t'a retourné le cerveau, hein? Putain de taré, tous autant qu'ils sont. Ces crétins que t'essaies de recruter, là. Toujours en pleine installation. Ces foutus fédéraux ont déjà mis la moitié de la ville sur écoute. Yeah.
Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. J'ai libéré ces femmes. Putain, j'ai rarement vu un endroit aussi glauque. Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Delray. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord. Quand on aura fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Tour, gamin. Courez. Rien qui bouge. Y'a un corps. Je le dis pour la dernière fois, n'approche pas de cette boutique vaudou. Allez, Tony, ça me démange tellement. Là, restez pas bougé là! Courez! Cours! Cours! Il faut qu'on s'en aille. Viser, on doit partir d'ici. Courez! Courez! Barrez-vous de là! Oh mon Dieu! Montre-toi. Oh mon Dieu! Thank you.